transparent et inclusif, nous avons demandé le retour de tous nos frères exilés, avec à leur tête le président Laurent Gbagbo. Nous exigeons leur son retour. Nous exigeons aussi le retour du ministre Charles Plédoudé et du Premier ministre, Guillaume Soro. Nous pensons que tous les exilés doivent rentrer parmi les exigences pour un scrutin libre, juste, transparent, inclusif. Nous avons demandé le retour de tous nos frères exilés, avec à leur tête le président Laurent Gbagbo. Nous exigeons leur son retour. Nous exigeons aussi le retour du ministre Charles Plédoudé et du Premier ministre, Guillaume Soro. Nous pensons que tous les exilés doivent rentrer en Côte d'Ivoire et que aucune élection ne pourra se faire sans ces personnes. En plus des exigences de la dissolution du Conseil constitutionnel, en plus du retrait, qui pour nous est non négociable, de la candidature illégale du chef de l'État sortant, et en plus aussi de l'audit de la liste électorale que nous voulons, une audit internationale. Nous ne sommes pour des élections, mais nous sommes pour des élections qui soient justes, transparentes et inclusives, nous le cessons de le répéter. Pour ça, on va avoir tant que ces élections ne pourront ces conditions ne sont pas réunies. Malgré toutes ces propositions, si le gouvernement n'est pas réceptif à toutes ces propositions, est-ce que vous regarderez les élections se tenir le 30 octobre? Nous disons que nous avons posé des exigences, ce sont ces exigences que nous attendons être remplies. Tant que ces exigences ne sont pas remplies, nous ne sommes pas pour ces élections. Nous voulons des élections justes. Nous, voyez-vous, dans ce pays, nous ne voulons plus de crise post-électorale. Nous ne voulons plus de mort après des élections. Et je pense que toute la communauté internationale est d'accord pour dire qu'il faut des élections apaisées. Nous voulons des élections apaisées. Nous n'avons pas de guerre dans ce pays. Nous ne voulons pas de troubles dans ce pays. Mais je pense qu'il y a un respect de la Constitution. Nous sommes fondamentalement attachés au respect de la Constitution. Et je pense que c'est vrai que cela. C'est exact tout ça. Ça, ce n'est pas négociable. Le viol de la Constitution, ce n'est pas négociable. Merci beaucoup. De l'opposition, donc la délégation des Nations Unies, l'Union africaine, CDAO, et avons présenté avec le soutien des parlementaires de l'opposition, donc les préoccupations de l'opposition du peuple de Côte d'Ivoire, je veux dire, qui concernent donc la question de l'élection présidentielle prochaine. Donc nous avons évoqué la nécessité revisiter la CEI qui doit être une commission totalement renouvelée. Donc nous avons demandé la dissolution. Nous avons demandé également que le Conseil constitutionnel recomposé puisse conduire le processus électoral. Nous avons demandé le retrait de la candidature illégale de M. Ouattara. Nous avons demandé le retour des exilés dans leur pays. Nous avons demandé une commission d'enquête sur les tueries relatives aux protestations que le peuple de Côte d'Ivoire conduit cette semaine dans la rue. Nous avons demandé aussi l'audit de la liste électorale actuelle et nous avons demandé que toutes les conditions sécuritaires soient réunies pour la tenue d'élections auxquelles nous participerons. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'opposition ivoirienne ne se voit pas en train d'aller donc à une élection du président de la République. La CDAO, l'Union africaine et les Nations unies nous ont dit avoir pris bonne note donc, de nos préoccupations. Ces préoccupations seront examinées et donc ces organisations vont nous revenir. Nous avons espoir que la communauté internationale, en particulier la CDAO et les Nations unies qui ont investi en Côte d'Ivoire pendant plus d'une décennie, pour que nous ayons donc l'histoire heureuse du success story de la Côte d'Ivoire dont nous vantons, eh bien nous avons espoir que les Nations Unies ici prendront leurs responsabilités pour accompagner le peuple de la Côte d'Ivoire dans la consolidation de la démocratie et donc dans l'organisation d'élections transparentes, justes et démocratiques. Vous avez espoir ou confiance?